Salut à tous, c'est Itachi, on se retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo du Let's Play de Super Mario Galaxy 2. Alors on est toujours à la recherche de nos super étoiles cachées, il y a encore un sacré paquet à aller ramasser. Donc pour le monde 1, c'est fait. Là on s'était lancé dans le monde 2 en fait, la dernière que j'avais récupérée c'était la Syrie Sidérale. C'était un combat contre un boss, une espèce de grosse carabée assez dégueulasse. Et donc voilà, on va continuer dans le monde 2. Là, il y a encore pas mal de super étoiles à récupérer et au passage beaucoup aussi de médailles comètes. J'espère que je pourrai en récupérer quelques-unes. Et je vais pas retourner par exemple à la Syrie Sidérale juste pour aller chercher la médaille comète, ça c'est pas grave. Je ferai ça plutôt en live. Mais par exemple ici, si je peux la récupérer en même temps, ça peut être sympa. Après de ce côté là il y en a encore une ici ouais c'est une épreuve avec une médaille une comète farceuse pardon. Ici ça peut aller, alors il y a juste le défi de Billy Banane au Mont Mielleux là qui m'a bien fait galérer la dernière fois. Je sais pas si j'arriverai à le faire un jour, on verra. Et après, ouais, au monde 5 là il y a vraiment beaucoup d'étoiles cachées que j'ai pas réussi à choper. Donc le monde 5, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je le refasse quasiment en entier, hein, finalement, puisque de toute façon, ouais, il me manque un truc quasiment partout, sauf au sable glissant. Ce qui est marrant, c'est que j'avais dit que j'aimais pas les zones ensablées, mais pourtant c'est celle que, a priori, j'ai le mieux réussi. Bon, allez, c'est parti, on va aux chutes abruptes pour essayer d'aller choper l'étoile cachée. Ah, tiens, hop, on va récupérer ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup quand on fait ça, mais c'est pas grave. Alors, chute abrupte. Et je crois que c'est encore une fois avec des pièces qu'on va devoir donner à un goinfre Luma. La course pimentée. Ah ouais, piment d'espèce. J'aime le piment d'espèce. Hop, ça on passe. De toute façon, c'est du déjà vu. Déjà vu. Alors je vais essayer de tuer les ennemis à la bien. T'as vu? Non. Bon, pas à la bien comme ça. À la bien, vraiment à la bien. Tu vois. Ah mais bordel. Ah mais je suis nul quoi. Enfin bon. Est-ce que ça surprend encore quelqu'un franchement? Bon, Yoshi, here we go. Si je pouvais lui... Voilà, sauter dessus ça peut être sympa. Allez, faut que je bouffe le piment des squelettes. Voilà, c'est resté ici, mais comme dans tous les murs, mais c'est pas grave. Voilà. Alors par contre, je crois qu'après... Voilà, alors là sur la gauche, voilà la médaille comète, là. Non, c'est pas une médaille comète, c'est pour avoir des pièces, à mon avis. Donc, je vais mettre ici. Pas plus que ça. Il y a des pièces, là, des pièces. Ah là là. Ah, j'ai été un peu nul. Carrément en fait, qu'est-ce que je dis. La chute de 500 mètres de haut. Allez, go. Non. Allez, là si je peux récupérer encore des piécettes. Ah bien, ah bien. Voilà, bon là. J'ai été un peu nul encore une fois. On va pouvoir passer ici. Alors, je crois... Ah merde. Ah mais non. Vas-y Yoshi, tu peux y arriver. Ouais bah de toute façon là, il me faut encore du jus. Bon, en tout cas le piment des squelettes, visiblement Yoshi il aime ça. Ça permet de donner des gaz. Hop. Alors là il y a encore des pièces un peu partout. Il va falloir que je fasse tout mon possible. Voilà. Pour les récupérer. Ah non. Ah bordel, je suis passé à côté. J'ai envie de dire bêtement parce que là... Je sais pas si on peut choper les... Ah oh, tiens, ça revient. J'étais en train de me dire, je sais pas si on peut choper les pièces en fait en les léchant. Tiens, on va aller faire le petit jeu là, ça va peut-être me permettre de choper quelques pièces. Ah bordel. Non, il faut pas que je perde Yoshi. Yoshi viens. Voilà. Alors je m'en fous un peu du jeu en fait, là c'est vraiment juste pour récupérer un max de pièces. Vous savez quoi,
pute. Oh non, non, non. Oh bordel. Oh bordel. Non mais, il y en a qui vont finir par croire que je le fais exprès, hein, franchement, mais... Je vous assure... Je sais pas si c'est moi qui ai de la... Qui suis vraiment nul à ce point, ou si c'est de la machine. Dites-moi, votez. Hop. Voilà. Bah, du coup, je crois qu'on peut plus faire le jeu, maintenant. Ah si, on peut le faire quand même. Bon, en fait, ce que je voulais faire, c'est aller d'abord chercher les pièces. Parce qu'elles sont facilement... Voilà, on peut les obtenir assez facilement. Non, 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 non. Oh, là, franchement, je me suis fait trop les par l'ordi, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Espérons que j'en récupère encore quelques-unes ici, parce que... Encore le piment d'Espelette. Non, je veux la pièce. Allez, go. Non. Je veux absolument récupérer les pièces, alors je fais des détours. Récupérer. Ah oui. Ah oui. Voilà. Waouh. Bon, c'est déjà pas mal. Récupérer quelques-unes tout de même. Ah bah tiens, le Luma, il est ici. Alors j'en ai 27, ça m'a l'air limite. Comment je fais pour lui parler? Ah, je suis pas encore... Oh, il en faut 30, non mais t'es sérieux. Comment je vais faire? Alors attendez, à mon avis, si je monte ici, il y a peut-être moyen que je chope des pièces et que je revienne en fait. Il y a peut-être moyen que je me fail tout simplement. Hop. Voilà. 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 Bon. Vous voyez, je l'ai fait. Ouh là là. Non. Il n'y a pas des pièces normalement là-dedans. Ah si, il y en a une là. Il m'en manque deux. Bon, c'est bien sympa de dire ça comme ça, mais... Où est-ce que je les chope, moi, mes pièces? Alors, je vois qu'il y en a une sur la gauche. Là, je sais pas si je peux aller la chercher avec ça. Genre, je me mets comme ça. Il y a une pièce ici. C'est tendu quand même, hein, pour en retrouver encore une. Je sais pas où est-ce que je vais aller. Bon, il va falloir que je passe là-haut, quoi qu'il arrive. Donc, on va aller y faire un tour. Ah, c'est pareil, vous voyez, là, il n'y a pas de pièce. Non. Non. Wouh. Faut pas que je me faille. Ah, bordel, en plus, j'ai tout à refaire, quoi. Ah, c'est dommage, j'aurais pu choper la pièce qui était là sur le passage. Voilà, ça c'est fait. Rien de compliqué. Voilà, par exemple. Et ensuite, je crois que je peux sauter ici. Voilà. Bon, vous voyez, j'en ai 30. Là, j'ai plutôt géré. En plus, j'ai récupéré la médaille comète. 30, allez vas-y, prends les tes 30 pièces. À chaque fois c'est vraiment tendu de les récupérer quand même, hein. C'est vraiment limite s'il faut pas récupérer vraiment l'intégralité de toutes les pièces qu'on a croisées. Et encore, il y a des ennemis que j'ai tués en leur sautant dessus, j'ai fait le mini-jeu, etc. Enfin bref. Alors c'est des lapins? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh? Est-ce que je peux... Ah, je peux les bouffer? D'accord. Bon, ça m'a l'air un peu... facile. Alors, je sais pas c'est quoi ces ennemis, parce que je les ai jamais croisés dans le jeu encore. Déjà que je connais pas les noms, alors si en plus on met encore des nouveaux ennemis après plusieurs heures de jeu, ça va pas le faire. Voilà, bon, je vais essayer de tous les bouffer. Hein. Ah. Ah non! Oh, il m'a foncé dessus! J'ai en fait... J'étais concentré sur une...
sur une étoile argentée et je regardais même pas où j'allais. Alors où est-ce qu'il est? Ah il est là. Alors je t'ai pas vu. Ah non viens là. Voilà. Ils sont un peu bizarres ces ennemis là, ils ressemblent un peu à des crapauds. Hop, et voilà. Piou. Bon finalement j'aurais plus galéré à ramasser les 30 pièces qu'autre chose. Mais le niveau était plutôt sympa. Ça m'a permis de rappeler que j'aime le pinon de squelette. Non, 29 médailles comète, etc. Et que c'était. Alors que je vois un petit peu où on en est. Alors ici, je reviendrai plus tard. Mine étoilée, c'était quoi ça? On va aller faire un tour. Mine étoilée, c'est ici. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça me rappelle plus grand chose. On va aller faire un tour de toute façon. En espérant récupérer l'étoile cachée qui est ici. Tatou boule débile. Donc visiblement il y avait un boss en plus ici. Oh bordel, c'est avec le... Ah ouais. Avec le champi caillou là. J'essaie de regarder comme ça si je la vois. Non, je la vois pas. Alors, je sais plus comment il va falloir que je fasse pour... Pour ouvrir ça, il y a peut-être une clé qui est gardée par un ennemi. Ah non, c'est peut-être ici là. On peut casser ça? Non, c'est avec le... À mon avis, c'est avec le... Avec le champi. On va pouvoir casser ça. Bon, je vais pas me faire chier. Parce que là, je suis un peu en train de galérer. Alors, on peut le casser ça, je sais pas. C'est peut-être là-dedans qu'elle est là. Ah, briser un peu. Ouais, mais des comètes. Ah non, mais je l'ai déjà en fait, qu'est-ce que je dis moi? Bien sûr que je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'il manque en fait? Non, c'est juste une toile cachée en fait qui manque ici. Bon, ok. Hop, bon, je vais essayer de récupérer encore une fois tous les... Toutes les pièces possibles et imaginables. Chaka. Non, non, non. Moi, je vais les faire en sautant parce que... Eh bien là. Ah non. Oh, bordel, en plus, j'ai loupé. J'ai perdu. Ah mais je suis con. Le mec, il va carrément en dessous du... Je vais carrément en dessous du rocher, quoi. Voilà, et alors. Sauf pour pas rouge. Hop. Bon, eux, ils sont pas trop compliqués là, les verts, mais les roses, c'est un peu chiant parce qu'en fait, ils reculent une fois qu'ils ont craché. Ah ! Cheater, va ! Wop, wop, wop ! Ah, mais ils sont à 3 aussi, là, ils se jouent une mitraillette. Ah, bordel ! Viens là que je te saute dessus là. Oh mais oh bordel. C'est pas vrai. Oh mais... Oh non. Faut pas que je crève. Oh, je sais pas où il est. Voilà. Bon. Ouais, je peux les péter en même temps. Alors je pouvais pas tout à l'heure à cause de, du champi de pierre là. C'est un petit peu chiant parce que quand j'utilise l'attaque tournoyante, ça utilise le champi. Ouais, voilà, il y a celui là-bas que je dois encore foncer. En fait, il fallait tuer tous les ennemis, je crois, pour... voilà, c'est ça, pour révéler ce truc-là. Hop. Bon, toujours aucune trace d'une... D'une super étoile cachée. Encore une fois, là, le problème, c'est que j'y vais vraiment... Ah. Regardez comment il est joli, là, il est tout jaune. Il n'y a plus par ici. Alors mon bichon, tu cherches la super étoile, pas vrai? Eh bien figure-toi que j'en ai trouvé une dans les ordures. Et j'en jette n'importe quoi, tu sais, bon, je veux bien te l'échanger. Mais change contre quoi?
Tu sais, à mon âge, on se sent bien seul. Tu pourrais attirer ici un de ces chenapans marrons. Il me tiendra compagnie. D'accord. En fait, il faut... Bravo ! Gouboule. J'aimerais bien... Voilà, péter un truc, là. En fait, j'aimerais bien changer l'orientation de la caméra, mais ça ne m'a pas l'air possible. Alors, comment je fais pour... Je sais pas si je peux les exploser, les... Non. Ah, pff. Ouais, bah ouais. Forcément. Espèce de mongolien. Jack, on retient ça ici pour m'aider un peu. Voilà. Bon, alors, il faut que j'attire un... Il faut que j'attire un Goomba. Et ouais, je commence à retenir les noms. Ça peut paraître dingue. Mais où est-ce que je peux le trouver aussi, ce foutu Goomba? C'est ça que je pige pas. Lui, il veut que je lui ramène un truc ici, mais comment je fais pour lui ramener? Bah. En fait, s'il y en avait, allez, pourquoi pas, mais là, j'en vois pas du tout. Là, j'avoue que je suis un peu perplexe, comme on dit. Ah, bien joué. Joli, très joli. Alors, je vais essayer de lui reparler. Apporte-moi un... Ouais, mais où est-ce qu'ils sont? Oh non! Oh non! Bordel, faut pas que je fasse le bébé. Ouais, je sais pas où ils sont. Bon, je vais essayer d'aller là-bas. Ouais, mais non. Comment on fait pour lui ramener un Goomba, là? Ah non, j'ai activé le checkpoint. Oh, c'est chiant. Il était pas chiant, cet ennemi, là. Fallait pas lui donner des coups dans les fesses. Avec un champi, avec ma... un champi de pierre. Je crois que c'est ça. Allez, vas-y, fonce. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que ça m'apporte rien. Là, il faut que je ramène un Goomba au mec, là, mais je sais pas comment il faut faire. Waouh, waouh, waouh. Se calmer, hein. Prendre tes pilules, mon pote. Voilà. Wouh. Wouh. Tiens, prends ça. Il est pas encore mort. C'est quand tu veux que tu meurs, hein. Hop, voilà, il est fait trois fois, c'est logique. Ah, bien joué. C'est joli. Fasse gaffe quand même, parce que là... Voilà. Hop, je peux pas passer à cinématique, bon c'est pas grave. Mais là j'avoue que... Bon, vous voyez, c'est pour ça que... C'est pour ça que je suis tenté en fait de... Non, arrête-toi. Je sais pas comment on fait pour s'arrêter avec ce caillou aussi. C'est pour ça que je suis tenté en fait de faire une partie du jeu en live, parce que vous voyez par exemple là... bah, je sais pas depuis combien de temps je fais ce niveau, mais c'est du temps perdu parce que j'ai rien récupéré. Et je sais pas comment le récupérer. Donc c'est pour ça que... je crois que c'est un exemple concret de ce que je dis depuis pas mal de temps, c'est que... bah, c'est... Il y a une partie du jeu que je vais devoir faire en live. Ouais, bon, à la limite, tout ce que ça m'apporte, c'est ça, là. Une comète farceuse qui se pointe ici, ben d'ailleurs on va aller la faire, pourquoi pas. Jack. Alors on va voir ce que c'est, j'espère que c'est pas un truc une vie, j'aime pas trop.
Enfin, c'est toujours kiffant de le réussir, mais un peu difficile parfois. Contre la montre. Yoshi le Dino Turbo. Waouh. Oh bordel. Ah, ils sont pas foutus de ma gueule là. Hein. Allez go. Bon, on a 3 minutes, c'est un peu plus que... que d'habitude. Ça risque de laguer en plus. Avec... Non, 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 pas le temps. Pas le temps de faire des PSO. Hop. Si ça passe, pour l'instant, me démerde. Voilà, en 30 secondes, ça c'est fait. Tiens, casse-toi, comme ça, comme tu l'es plus longtemps. Hop. D'aller tout droit normalement. Bon, pour l'instant je me démerde. Le plus dur ça va être le plateau comme ça là, qui est à plat. Ça va être un peu chiant. Bon, là par contre les dalles sont cassées mais elles tombent toujours. C'est un peu chiant. Waouh. N'empêche que voilà, si on se fail, il faut recommencer tout ça et c'est ça qui est chiant. Ah là, je me démerde bien. Tiens, casse-toi. Ah, je crois qu'en fait les... Non ! Oh bordel ! Oh non ! Oh purée ! Oh pff ! Oh là là. Ah, je me suis fail sur les crochets là. Pourtant j'ai spammé la gâchette B là comme un porc, mais visiblement c'était pas assez. J'essaie de me rapprocher de la télé parce qu'encore une fois c'est un problème de réception de ma sensor bar là, comme je vous ai déjà dit, elle est sans fil. C'est plus je suis loin et moins ça marche. Plus tranquillement. Waouh, ça va être tendu pour arriver au sommet. Non, c'est bon, ça passe juste. Ça va. C'est de le prendre vraiment au dernier moment. Voilà, on va essayer de faire la distance la plus grande possible avec le piment. Vous voyez, voilà, c'est pas compliqué en fait. Enfin, même sur les passages à plat là, je me suis pas trop mal démerdé. C'est vraiment cette connerie de sensor bar qui m'a trollé. Allez, bouge de là. Vous voyez là, j'enchaîne vraiment comme un dingue. Ça se passe très très bien. Ah là ! Tu parles que ça se passe très très bien. Mais en fait, non mais pourquoi je me le suis mangé, vous allez me dire. Tout simplement, je sais pas, depuis tout à l'heure, j'avais l'impression... Bon, je revois sur les images, hein, mais j'avais l'impression de passer en dessous de ces espèces de petits météores. Là. C'est pour ça qu'en fait, je me posais même plus la question de savoir si je passais en dessous ou pas. Voilà. Bon, donc effectivement il faut bel et bien les esquiver. Allez. Voilà, nickel. Alors là par contre c'est autre chose. Ah non. Ah bordel. Ici c'est autre chose parce que c'est vrai qu'il est un petit peu difficile. Bon par contre ça va, j'ai quand même une minute pour le faire. Si je rate franchement. Ah bordel. Ouais. Je peux rater, je peux. C'est faisable. J'ai confiance en ma nullité. Ah bordel. Ouais bah ouais.
C'est assez chaud en fait de passer dessus. Parce qu'on n'est pas sur... Enfin, il faut bien anticiper en fait sa trajectoire. Allez! Non! Ah bordel! Bon ben je vais le louper. J'ai dit que j'allais le louper. Oh. Regardez, il est juste là. Trop l'air con, sérieux. Bon. Alors le niveau est très sympa, franchement. À la limite, ça m'amuse plutôt bien. Bon, je viens de découvrir qu'on pouvait se faire toucher par les météores. Moi qui croyais qu'on pouvait juste passer en dessous. Hop. Le niveau est plutôt sympa, mais c'est vrai que la fin... Je me rappelle avoir déjà galéré la première fois que je l'avais fait. Donc bah là, ça ne change pas. Hein. Allez. Allez, hop, bouge de là. Hop. 127, ça va. De pas mauvais tout ça. Hop, là, encore une fois, je prends un dernier moment. Alors cette phase, elle est plutôt sympa et pas trop compliquée non plus. Condition de ne pas se manger les météores. J'avais dit à condition de pas se manger les météores, j'avais raison. Bon allez, dernière tentative, et si j'y arrive pas, je retenterai un peu plus tard. Encore une fois, ce sera plus quelque chose que je tenterai en live plutôt que de recommencer 1000 fois dans le let's play. Voilà. Ça va vite, très très vite même. En tout cas, je fais une bonne récolte de fragments, mais après c'est pareil, je sais même pas si je vais les garder. Il faudrait que je finisse le niveau en fait pour pouvoir espérer les garder. Hop. Bon allez, faut que j'y arrive là, bordel. Non mais la première qui passe quoi. Bon allez, je peux pas rester comme ça là. Il faut que je retente au moins une fois. Mais là vous voyez, ça commence à devenir chiant. Et j'ai envie de tirer autant pour moi que pour vous, je suis sûr. Ça va être marrant de me voir fail de temps en temps, mais... Et là, comme ça... Je pense pas que ce soit super délire. En tout cas, c'est pas drôle pour moi, super. Hop. Recommencer 50 fois le même niveau, là, c'est un petit peu chiant. Même si, finalement, il est plutôt amusant, hein, encore une fois. Mais, voilà. J'étais à deux doigts de le réussir tout à l'heure. C'est d'autant plus chiant. Ah, tiens, j'ai gagné une vie. Et là, je parie qu'il va y avoir Harmony qui va se pointer la prochaine fois, là. Il va me troller en disant « Ah, tiens, tu veux que je te file un coup de main pour te donner une médaille de bronze ?» Waouh. Là, je me suis un peu fail. Je sais pas pourquoi mon piment il s'arrêtait un peu plus tôt que d'habitude. Bon, là j'ai fait le fou. Allez, casse-toi de là. J'ai fait le fou, hein. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai sauté. Voilà. Bon alors je me mets bien prêt.
Voilà. Bon. J'ai 1 minute 20 pour le réussir. Allez. Voilà. Ah, j'ai bien fait de retenter encore une fois. Ouah. N'empêche que je suis sûr qu'il y en a qui sont restés en se disant « Tiens, est-ce qu'il va y arriver ou pas ?» Eh ben ouais, j'ai réussi. Bon, en tout cas, ça fait une bonne paire de fails. Et la galaxie est terminée. Et puis du coup, ouais, tout ce que j'ai récupéré, notamment au niveau des fragments, ben du coup, je vais les garder. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là, je suis monté à 1100. Alors, d'ici la prochaine vidéo, je pense que je vais essayer de farmer un petit peu. Alors, on m'a dit... Dans les commentaires des vidéos précédentes, on m'a dit que pour bien farmer, il fallait aller à la mer de lave, je crois. C'est ici, à la deuxième étoile, là où justement j'utilisais le... Bah, où j'avais eu la super étoile de bronze, en fait. Apparemment, là-bas, je peux récupérer pas mal de fragments d'étoiles, parce que je vais en avoir besoin. Il y a encore un Luma Goinfre ici, qui me demande 1800. Donc, bah voilà, ce serait bien d'en récupérer quelques-uns pour atteindre les 1800. Toujours est-il que cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié ma série de fails. Je dis merci d'avoir regardé et à plus pour la suite.